gang! C'est l'heure du review. Mm-hmm. Et on review Outbreak Undead. Fait par Renegade Games. Yes. Et qui a été écrit en partie par Ivan Van Norman de Geek and Sundry fame. Et aussi pour ceux qui ont des enfants de OBC de RPG aussi. Je vais, comme à l'habitude, passer en dernier. Puis je vais laisser mes joueurs s'exprimer pour commencer. Je pense qu'on va y aller avec celle qui a eu le plus de tu vas crever en premier, qui en a mangé une maudite pendant tous les épisodes. Sabrina! Ça l'est donné elle-même aussi. Ouais. J'ai vraiment, vraiment aimé le jeu. C'est sûr que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre parce que ça a été vraiment une adaptation parce que j'ai jamais joué à d'autres jeux à part, ben là j'avais fait Pathfinder, mais avant ça j'avais fait Donjons & Dragons seulement. Puis c'est très très différent du système de Donjons & Dragons. Fait que ça prend une habitude, mais à lire le livre de fond en comble, puis lire aussi, je pense que Mario disait comme quoi que celui du Dungeon Master répond à beaucoup de questions, ben là je vais être plus en mesure de jouer d'une meilleure façon parce que je dirais que j'ai pas mal... Mais t'es pas monte en premier. Non, je suis pas monte en premier, sauf que, tu sais, je connaissais pas mes règles pas mal. Honnêtement, là, pour celui-là, là, c'était un peu plus difficile pour moi la compréhension, sauf que, en lisant beaucoup plus, je pense que il y a un potentiel que j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Anthony! Oui. T'en as pensé? Moi, j'ai beaucoup apprécié ce jeu de rôle-là. J'ai apprécié le système de Gestalt Level qui, dans le fond, te permet d'évoluer sans avoir de level up directement. C'est que tu évolues ton personnage avec des aptitudes que tu as eues dans le passé ou que tu te rappelles, qui vient modifier ta façon d'être maintenant, ce que j'ai très très apprécié. un truc que j'ai aussi aimé, c'est comme c'est un jeu qui se fait réaliste. Dans la vraie vie, un zombie apocalypse, ça peut être très dur. C'est dur sur le physique, mental. Puis ça se voit super bien dans ce jeu-là. C'est dur de faire des jets, les réussir comme il faut. Puis j'ai trouvé que ça donne un très bon challenge à ce jeu-là, à ce niveau-là. Merci. Steve? Moi, étant un débutant dans ce genre de jeu-là, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Super facile à jouer. Le fait de jouer soi-même, c'est le fun aussi. On peut se laisser un peu plus aller que rentrer dans un personnage. Les dépourcentages, c'est pas facile de pogner les hits, là, mais ouais, je pense que c'est ce qui est le fun du jeu aussi, pour que ce soit pas trop facile. Ça se veut réaliste, il faut essayer de s'imaginer dans une situation où. C'est quelque chose que j'ai réalisé. Même quelqu'un qui est entraîné, mettons un militaire ou un policier, qui va pas aller toucher sur une cible, mettons 98% du temps, sur une cible mouvante, ton taux de succès devrait être 30. Ouais, c'est pas la même chose. On s'entend que pour des gens qui sont pas formés, ce qu'on a joué aujourd'hui, ben, tout le monde, vous savez, il y avait pas personne qui était militaire ou whatever, dans le groupe, il fallait s'attendre à ce genre. Fait, je pense que c'était bien représenté, mais effectivement, ça rend la situation. Fait qu'on s'est pas aidé en faisant un joint. C'était... Non, en même temps, c'était quand même le fun. Ouais. Ben oui, ouais, ben oui. J'ai rien de négatif à dire là-dessus, là. C'est super. Juste du positif. Eric? Ben moi, encore une fois, félicitations Renegade, parce qu'ils font des jeux vraiment... Moi, j'avais juste joué à leur jeu de société à date, j'avais jamais joué à un RPG qu'eux autres font. Ils font tout le temps des affaires différentes des autres compagnies, ils prennent des risques, c'est vraiment le fun. C'est sûr que, justement, vous l'avez vu, on s'est pas aidé en jouant nous-mêmes, mais c'est ça qui faisait que c'était drôle puis c'était le fun. Si vous allez utiliser plutôt les systèmes de points, là, faire des personnages, ça, là, on va réussir plus de fois ces choses-là. C'est très différent, c'est très le fun. Le système de Gatslav, c'est le fun, on l'a compris peut-être un peu trop tard, tout ça. Mais c'est hyper, hyper intéressant. J'ai juste du positif à dire. Renegade, sortez plus de livres parce que le monde en veut. Mm-hmm. Puis justement, le DM n'est encore pas disponible. Il sort comme dans un mois. Fait qu'on a juste le livre des joueurs en tant que tel. Fait que c'est sûr qu'il n'est pas complet. Fait que, mais c'est extraordinaire. Puis en passant, moi, je vous dis, il va y avoir une petite surprise. On va voir que c'est qui les écoute les épisodes. La première personne qui va écrire, Mario va nous dire ça tout de suite après, qui va écrire avec son adresse, va recevoir les fiches de tout le monde qui est mort, dont celle qui est déchirée.
Et je vais sûrement vous mettre, je vais sûrement vous rajouter un cadeau. Fait que Jeux AZ va payer là, pour vous envoyer quelque chose gratuitement. Fait que vous verrez c'est quoi, mais ça va être des affaires qui viennent de Undead qu'on a joué finalement. Puis je vais tout vous envoyer ça. Fait qu'un petit cadeau. Fait que les premières personnes qui nous donnent l'adresse, ben on va vous envoyer ça. Puis j'adore. Je vais mettre ça parce qu'on va faire un petit concours. Ah, un concours! Au lieu de la personne qui nous écrit, okay. Il va falloir nous donner dans l'ordre dans lequel ils sont décédés. Oh! Les deux épisodes, ça va être comme souvent. Hein? Puis si vous donnez le bon ordre, la première personne qui répond à ça, okay. Bon ordre, on rajoute un petit cadeau, je vais dire à Eric, et vous envoyez toutes vos réponses à roleed@gmail.com qui devrait apparaître comme ça. Ou des fois là, ça dépend quand. Fait que! Voilà! C'est là, tu penses? Par là! C'est apparent sur le DM. Non, mais là. C'est moi qui fais de la magie, ça. Là! Cédric! Oui! Mais on va commencer parce que le point positif, sérieusement, c'est vraiment très. C'est voué pour avoir du fun, ok? C'est une ambiance post-apocalyptique que moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les émissions de zombies. J'adore Walking Dead, naturellement, pour pas le nommer. Qu'est-ce que j'ai un peu moins apprécié, par exemple, c'est comment est-ce que le livre, en tout cas le guide du joueur, Survival Guide, explique le système de G pourcentage et de G6. C'est très compliqué. Quand moi je l'ai lu, j'ai l'habitude de lire beaucoup les livres de règles au complet, je me suis mélangé. Je l'ai lu encore une fois, je suis mélangé. J'ai dû demander à Mario de dire les informations par rapport à ça parce que c'était la première fois que je voyais un système de même. Et c'était pas intuitif pour moi, puis c'était pas quelque chose que j'aurais pu comprendre seulement avec ce livre-là. Donc peut-être qu'avec le livre de Game Master, justement, comme Mario l'avait le U en commandant son temps, c'est quelque chose que j'ai pas pu trouver par moi-même. Donc c'est ça le point négatif. Donc oui, en effet, la façon que le livre est écrit, c'est le mémoire pour y revenir. C'est que le système utilise comme des espèces de graphiques. Dans le fond, ils vont vous expliquer, mettons, que. Je me souviens plus, comme chaque avant-page que vous allez avoir va donner comme une espèce de rond vert avec un petit pouce dedans. Puis après ça, le risque, ça va être comme une espèce de petit triangle jaune avec un point d'exclamation dedans. Puis là, une autre affaire, je me souviens plus c'est quoi, c'est comme un losange bleu. Mais un moment donné, c'est que dans le livre, ils sont rendus qu'ils vous parlent comme ça. Fait que ça a l'air comme un graphique mathématique de symboles. Puis là, ça devient extrêmement mélangeant. Dans le Game Master, effectivement, on explique comme vraiment toutes les étapes d'une autre façon qui devient comme beaucoup plus claire. Puis je me souviens, on explique à tout le monde comment ça fonctionnait à cause de ça. Je l'ai eu d'avance parce qu'il est disponible en PDF. Mais il n'est pas printé présent. Pas encore. Au niveau de mon review personnel, autre ce que je viens de parler qui est comme pas très intuitif pour les joueurs et tout le kit, parce qu'un coup qu'on comprend, c'était quand même assez simple à comprendre. Oui. Avec des fois, on s'en fâche un peu parce qu'on rajoute, on enlève des D6 puis éventuellement, c'est un désavantage ou ci ou ça. Puis j'ai été chanceux, on n'a pas eu à jouer beaucoup avec la règle de munitions et le kit parce que j'avais. On avait des haches et des tournevis. Des haches et des tournevis. Fait quand même, on n'a pas eu à lier avec ça. Mais, sinon, c'est un système qui se veut narratif, donc c'est vraiment génial pour ça, on peut le narrater. Et ça s'appelle Heartbreak Undead, mais c'est pas la seule chose qu'on peut faire avec. Le système est infini, vous voulez faire une invasion d'extraterrestres, vous voulez faire des as naturels, peu importe, vous pouvez l'exprimer. Donc le jeu est bien. J'encourage Renegade Games à continuer, sortir peut-être des extensions, des settings, peu importe. D'expander le jeu, mais peut-être effectivement clarifier un petit peu la façon là. Ou avoir peut-être sur le site un download avec un quick help ou quelque chose genre ça serait bien. Qui pourrait être. Je sais pas, il y a peut-être un Kickstarter. Non, ils ont vraiment ce livre là. Parce qu'il a gagné des prix, puis là tout le monde se l'arrache juste lui. Fait que je pense qu'ils essayent de reprinter celui-là, puis ils n'ont pas le temps comme d'avancer parce qu'ils ont trop de demandes. Ça se peut. Oui. Okay, moins de temps. Mais en tout cas, je le recommande fortement. L'équipe a l'air de le recommander aussi fortement. Donc, si vous cherchez un jeu de zombie qui est différent, on s'entend que c'est loin du fantasy hack and slash donjon dragon. C'est vraiment différent. Et des fois, ça peut être un
Escape. Je tiens aussi à préciser qu'on a joué parce que le jeu est sur plusieurs difficultés. Comme vous allez dire, ils ont ri en ce moment qu'on jouait sur la difficulté de Weekend Warrior. C'est pour ça que je laissais mes joueurs rire, c'était très chill, puis on s'amusait pour le fun. Et c'est la difficulté, c'est une des plus faibles. Pas. Si vous cherchez la game, mais ça rend pas valable. C'est hyper sérieux, qui est le survival game. Top un petit peu, là, il est arrêté de trouver pour l'instant. Ouais, le système aussi est engageant. Pour le DM, c'est rare, d'habitude, ceux qui sont habitués de DM, vous avez un système, si on peut parler de ce que je vais revenir, le système de risque. C'est qu'à chaque fois qu'ils font une action niaiseuse, stupide ou peu importe, qui peut générer, le DM accumule des points de risque. C'est avec vos points de risque que vous faites vos encounters. Ce qui veut dire que si votre groupe est parfait, crache jamais un jet à fond tout. Il n'y a pas de monde. Il n'y en a pas de monde. Si par contre, il commence à... Accrocher des cacanes. Accrocher des cacanes. C'est pour ça qu'on a eu 32 nouvelles. À se trancher une cuisse. Trancher des cuisses. Planter des couteaux si on va en faire. Essayer de partir avec un tournevis. Ouais, ouais. Ah, c'est ça que ça fait. Donc, sur ce, on vous dit à la prochaine fois. La semaine prochaine. La semaine prochaine, nous explorons le monde sombre, et encore plus sombre que ce qu'on vient de faire. Et on risque de mourir parce qu'on s'en va de notre Grim Dark Future, 41e millénaire, avec Warhammer, Garanka, Wrath and Glory. Une campagne, qui est totalement écrite par moi. Et je vois encore des passes à travers le Ringer, de toute façon. Parce qu'il n'y aurait rien de positif dans le 41e millénaire. Le pire cadeau qu'on peut faire, c'est de vous laisser naître. C'est bien. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut. Salut.